Quels sont les protagonistes de ces nouvelles perverses? Ce sont des enfants regardant s'agiter des adultes au comportement incompréhensible, des aventuriers d'un jour ou baroudeurs de métier, des policiers ou des justiciers se débattant dans des énigmes falsifiées et une humanité de tout milieu mais résolument en bordure des normes. De quoi s'agit-il? De lettres d'un mari à sa femme où chaque phrase peut cacher un non-dit, de manuscrits volés ou de collections de journaux dissimulant quelques prémonitions, de casinos où se déroulent des paris mortels et de casernes où des laborantins jouent au casino, de vengeance dont une prostituée est l'instrument involontaire. Bref, une diversité surprenante, mais terriblement séduisante.